Hello, la Dozo Family, c'est Pidgey, j'espère que vous allez bien. Moi, ça gaze et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, les petits loustiques, je vais faire cette petite vidéo pour vous montrer mes outfits de vacances. Parce que la première vidéo que j'ai faite quand on est parti en vacances, je vous ai dit dans le titre, on fait notre valise ensemble. Et vous m'avez dit, ouais, mais Pidgey, on n'a pas vu beaucoup tes outfits, on a vu qu'un jean, nanana. Aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai ramené. Je vais vous montrer 3-4 outfits. Les croutons vont probablement vous la meilleure. Alors les gars, attendez, je suis soufflée là. Les gars, et je suis en vacances, j'ai plus l'habitude de monter les escaliers, etc. Là, c'est chill, hein. Mais on va également faire un petit peu une coiffure, parce que là, les gars, c'est pas du luxe. Alors suivez-moi tout au long de cette vidéo pour qu'on ait un outfit potable et une coiffure assez bien. D'accord? N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. C'est parti, générique! Les gars, j'imagine que en outfit de vacances, vous voulez des choses colorées, etc. J'ai une robe, les gars, échancrée un peu là sur les côtés. Elle est magnifique. On va se faire également des petites tresses que j'adore me faire un petit peu avec une raie au milieu et des tresses comme ça sur les côtés. Je vous montre le premier outfit. C'est parti. Petite transition. Vous êtes prêts? Genre, je fais as et après, normalement, j'aurai au moins mis la robe. Ok? Allez, 1, 2, 3. Let's go! Les gars, faut que je vous montre cette magnifique robe. Regardez-moi ça. En fait, elle est échancrée comme ça sur le côté. Niveau soutien au niveau de la poitrine, c'est pas ouf du tout. Mais c'est vraiment une robe de vacances. Vous voyez, c'est genre grave échancré là et tout. Perso, je kiffe à mort. Bien sûr, c'est une robe qui m'a pas coûté trop cher. Mais que tu dois mettre juste piscine, vacances, en mode vamos a la playa. Et les loulous, vous savez quoi? Aujourd'hui, Michou tourne une vidéo en mode il est au service des croutons et il peut pas refuser, tu vois. Eh bien, écoutez, je vais lui demander qui me fasse ma petite coiffure en fait. En attendant, on va demander à Supervie qui note cette petite tenue. Bah moi j'ai déjà vu plein de fois. Ah bon? Bah oui. Quand? Bah à la maison. Hein? Ah oui, mais quand je l'ai essayé. Moi je vois tous les backstage. Hein. Mais c'est vrai que Valouz en fait les gars, je peux rien lui cacher parce qu'en fait on vit ensemble, on fait tout ensemble. Bah ouais. En fait j'étais là en mode ouais j'ai jamais mis cette robe et tout, même... Quand je l'ai reçu, de toute façon, tu l'avais vu parce qu'en mode, ouais, tu la trouves bien et tout. Bah, je la trouve bien, mais... Pas ouf. En fait, je trouve qu'elle cintre mal. Ouais, elle est mal cintrée. Mais sinon, elle est belle, elle est géante. Regardez comment ça traîne par terre. Moi, je suis archi petite, mais regardez avec des talons. Franchement, avec des talons, ça passe, hein. Valouz l'a validé, une note sur 10. 7,5. Oh, quand même. Bien, écoutez, Valouz a validé ma tenue. En même temps, il l'avait déjà vue et puis... Petit secret entre nous, même des choses qui me va pas, normalement je suis sa femme, il est obligé de kiffer, d'accord? Dites-moi oui dans les commentaires. Les petits loustiques. Tu m'as appelé. Oui, je t'ai appelé. T'as un défi pour moi. Je suis en train de faire une petite vidéo outfit sur ma chaîne. Ok. Tu vas pouvoir noter un peu ma tenue et tout. En revanche, ma tête là, je trouve, elle est pas très bien. Faudra que tu me fasses une petite coiffure. Ah ouais? Une petite tresse de famille. Attends, mais je sais pas. Tu me fais une raie droite et j'aimerais deux nattes de chaque côté. Je sais même pas c'est quoi des nattes. Ah, je dois prendre ça, ouais, faire ça. Ouais. Mais après, ça sert à quoi? Bah, c'est la raie. Est-ce que t'as perdu jamais mal là? Ouais, j'ai l'impression que je vais la planter. C'est bon là? Ouais, c'est bien. Je te monte sur un côté. Vas-y, je fais l'autre côté. Ok, alors, tu prends la partie de la tresse. Ok, j'ai gardé. Tu fais 3 bouts. Et ensuite, tu fais devant. Devant, devant, t'as ta façon. C'est la coiffure d'Astérix. Ouais. Donc là, je prends 3 bouts. 3 bouts, 3 mèches. Mais t'as trop de cheveux. Toi, tu mets devant. 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 Oui, c'est ça. C'est vieux. C'est ça, c'est ça. Devant. Devant. C'est comme si t'avais pas. C'est bon là. Ah, en vrai, c'est nips, hein. Je vais vous montrer le côté. Le côté Michou. Ah ouais, y a quand même une sacrée différence. On va dire que là c'est parce qu'il cherche à bomber un petit peu là. Ouais, en fait voilà, c'est ça. C'est pour donner faire, du volume. Voilà, faut donner du volume. À la base, je voulais que tu me fasses ça, Michou. Avec de l'entraînement, ça sera pas si mal. Bon, Pidi, si tu dois noter quand même ma tresse pour de vrai. Il y a eu un petit peu d'effort, un petit peu de maîtrise, 0,5. 2. Ouais. 2 sur combien? 10. Ah.
C'est pas fou. C'est vrai, c'était 4 ah ouais, sur 20. Moi, je m'attendais à 2 sur 3, genre. Ah ouais, non, mais toi, t'en demandes trop, toi aussi. Ok, mais défi validé parce que tu as accepté. Bah, je suis obligé dans tous les cas. Ouais, c'est vrai. Je suis obligé. Et rien que pour ça, tu vois un 10. Ma petite robe 8,5. Ah ouais. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets la robe en description si jamais vous voulez l'acheter. Mais petit conseil, prenez peut-être une taille en dessous. Prochain outfit, toujours coloré parce qu'on est en vacances. Et je vous montre ça tout de suite. Hop les gars, j'étais obligée de vous montrer ce petit outfit. Alors oui, c'est un short de Valouze, mais vous savez très bien que j'adore porter les habits de Val. Alors, c'est un petit débardeur qui est assez cool et il fait un peu brassière. En fait, comme le haut, il est très cintré, le bas, c'est très bien de mettre un bas assez large, en fait, c'est ce que j'adore. Et là, avec cette chaleur, rien de tel de se faire une queue de cheval. Franchement, il fait trop chaud ici, je sais pas combien de degrés il fait. Je pense que même 35 degrés ici, c'est correct. Mais en fait, il fait humide, c'est genre un truc de fou, t'es toujours en train de transpirer, c'est l'enfer. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais les mouiller un peu. Et pour justement éviter les baby hair qui nous saoulent quand je fais une queue de cheval, en fait, je vais faire un début de tresse. Voilà, regardez, vous voyez très bien le début de la tresse, là. Et ensuite, je vais essayer de la continuer un petit peu. Voilà. C'est mon petit secret de faire une belle queue de cheval sans qu'il y ait des baby hair. Vous prenez une mèche. Et en fait, vous pouvez faire style de continuer la tresse. En fait, vous trichez un peu. Parce que du coup, on va croire que vous vous êtes fait carrément une vraie tresse collée. Sauf que vous avez juste uniquement fait un début de tresse. Vous avez attaché vos cheveux. Et ensuite, vous reprenez une mèche. À chaque fois que je fais cette coiffe-là, il y en a plein qui me disent « Ah, mais c'est trop beau, Pide ! T'as carrément fait une tresse et tout, c'est archi stylé !» Bah ouais, c'est stylé. Mais j'ai triché un petit peu, en fait, c'est pas une vraie vraie tresse collée, quoi. Vous prenez un petit élastique. Et là, on est carrément dans le truc, en fait. On est bien habillé. Alors, vous allez peut-être pas pécho en étant habillé comme ça, mais de toute manière, si jamais vous y arrivez, bah c'est parce que au plus vous êtes naturel, au mieux c'est les gars. Moi perso, je suis tout le temps habillée comme ça. Et Valouze est toujours amoureux après 10 ans quoi. En vrai, habillez-vous comme vous voulez. Que ce soit chill, que ce soit large, serré, cintré, peu importe. Tant que vous c'est kiffez. C'est la belle du vol. Ah, c'est ton short ? C'est mon short. T'as bon fait une petite coiffure du coup avec une queue, une tresse dans ta queue. Valouze me connaît par cœur. Hein. Tu fais tout le temps ça ? Ouais, je fais souvent ça. Et le cheval avec une tresse. Ouais. J'adore les tresses. C'est très validé. Très validé. Moi, ce qui m'embête, c'est que tu es pour les filles qui vont dans les rayons garçons et qui nous piquent toutes nos fringues. Ouais. Et que nous, du coup, on arrive au rayon, on n'a plus rien. Alors que c'est censé être pour nous. Exactement. Il y a vraiment des filles qui font ça. Bah oui. Ah oui. Bah moi, perso, je vais au rayon garçon. Bah oui. Ouais. Moi, je vais au rayon garçon. Hein. Deuxième tenue validée. Outfit chillax validé. Moi, je valide. Et je préfère d'ailleurs la deuxième tenue à la première. Parce que comme vous savez, j'adore m'habiller avec les fringues de Valouze et tout. Et au plus je suis à l'aise, mieux c'est. On va partir sur un prochain outfit, les loulous. Vous le connaissez cet outfit parce que je l'ai déjà mis en vidéo. Je vous montre ça tout de suite. Prochain outfit, les loulous. Je vous avais dit que c'était un peu coloré. Et c'est du rouge. Alors c'est très rare pourtant que je m'habille en rouge, mais en fait j'adore. Alors il est beau, mais pas pratique du tout. C'est-à-dire que je vous fais une mise en situation. Tu dis, passe-moi la maillot s'il te plaît. Hop, on te le passe, les ficelles dans la maillot. Elle est belle, elle est jolie, mais pas forcément pratique. Et petite anecdote drôle, c'est que Apo a la même que moi. Du coup, j'adore, ça fait un peu de jume, etc. Si jamais vous voulez un peu l'ensemble qui fait plus robe, et ben vous allongez grave le haut et regardez là on dirait une robe. En revanche, si jamais vous voulez un aspect un petit peu plus croc top et vraiment avoir un ensemble qui est pas du tout collé et que ça fasse pas robe, vous prenez les petites ficelles, vous faites le petit croc top, voilà. Et là les gars, on part sur un bel ensemble hein. Ça fait vacances, moi j'adore.
Ma coiffure, c'est vraiment pas du luxe. Les cheveux, vraiment hyper naturels comme ça, vous savez très bien que j'aime pas trop. Alors là, on va essayer de tout plaquer, faire une petite coiffure en mode de tout plaquer, etc. qui va être vraiment pratique. Mais vous allez voir que cette coiffure-là, je la valide et je vous la montre tout de suite. Alors les petits loulous, toujours avec la petite raie comme ça. Je la mets pas vraiment hyper droite, on peut la faire sur le côté. Et en fait, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment plaquer sur les côtés. Alors mon peigne, Michou ne me l'a pas rendu les gars, donc vraiment pour que vous voyez un petit peu. Du coup moi je les ai mouillés pour que ça ait un meilleur rendu. Vous savez très bien que je frise, donc j'adore laisser un petit peu des, ben voilà, des mèches comme ça qui frisent un petit peu sur le côté. Et ensuite vous prenez tout, soit vous faites une queue de cheval comme ça vers le bas. Moi ce que j'aime bien faire c'est une tresse parce que je suis Miss Tresse. Les gars, même à mon mariage, j'aurai des tresses, ok? Alors soit vous mettez un élastique comme ça qui tient un petit peu et ça fait hyper mime je trouve. Vous êtes vraiment hyper à l'aise avec cette coiffure. Ou alors les gars, vous détachez, vous prenez cette partie là et vous faites une tresse en épi de blé. Vous faites deux parties au niveau de vos cheveux. Vous prenez une mèche que vous mettez en haut, voilà, et comme j'ai dit à Michou, toujours en haut, c'est-à-dire que cette mèche-là, c'est en haut, cette mèche-là, c'est en haut. Moi, j'ai pas des hyper longs cheveux, mais l'avantage après, quand t'as des longs cheveux, tu peux rattraper comme ça sur le côté, et toujours prendre mèche par mèche en haut. Vous avez toujours vos cheveux qui sont séparés en deux, pour faire une tresse en épi de blé, et vous prenez toujours une mèche du bas, que vous rabattez en haut. Normalement, le début, ça a dû faire ça. Et en fait, regardez, ce que j'adore dans les tresses épis de blé, c'est que vous mettez votre chouchou. Si jamais vous voulez une coiffure qui est hyper serrée, etc., ça fait ça. Voilà. Notez dans les commentaires un petit peu ma petite coiffure, les gars. Bon, là, c'est pas très plaqué, hein. Rien ne vous empêche de prendre une petite huile, voilà, qui va vous permettre de nourrir vos cheveux. Surtout en ce moment, là, comme je suis toujours avec le soleil et tout, ça va permettre de bien les nourrir. Revenons à l'épi de blé, les gars. Si jamais vous aimez avoir l'épi de blé hyper serré, vous pouvez très bien laisser comme ça. En revanche, si vous voulez un épi de blé un petit peu plus écarté, regardez ce que j'adore faire. Vous prenez les deux bouts et vous écartez. Tu vas avoir la tresse qui va se délier. C'est trop beau, j'adore. Voilà un petit peu les petits moustiques coiffure épi de blé. Et Valouz, on va voir s'il me connaît par cœur. Et on va voir si c'est un épi de blé ou pas. Mais je suis sûre qu'il connaît. C'est quoi, tu fais des tresses? Ouais, j'aime bien les tresses. On va demander à Valouz s'il connaît. Bah, je connais. C'est quoi? T'es en outfit shop, quoi. Ouais, et? Bah, tresse épi de blé. Mais tu l'as pas bien fait. Tresse épi de blé. Mais je vous l'avais dit que Valouz y connaissait tout. Mais attends, mais tu te laves entre deux ou quoi là? Non. Bah je sais pas, mais en fait, tu fais des parfumé là. Mais en fait non, mais je fais des explications. Dernier outfit les gars que je vais vous montrer. Et ça va être simple, efficace. Et surtout ça va être plus chill, moins de chichi, etc. Même au niveau de la coiffure, je pense qu'on va attacher ça vraiment en mode vite fait. En revanche vous, je vous montre un dernier petit outfit. C'est parti. Et dernier outfit, je vous l'ai dit que ça allait être simple et efficace. Petit t-shirt Adidas que j'adore. Même dans mon clip, les gars, je mets les t-shirts de Valouz Adidas pour vous dire à quel point j'adore. J'ai mis un petit cycliste en dessous. C'est comme bon vous semble si jamais vous en mettez un ou pas. Ah, je sais, je vais faire la petite coupe de Lara Croft. Ça va être full tresse, mais en fait, je vais faire une couette et ensuite, je vais faire une petite natte. Petite tresse chill des familles en mode Lara Croft. Et voilà, c'est pas bien, hein? Petit outfit validé ou pas, les gars? Et voilà, les gars, petit outfit validax. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à Valouz, mais l'avantage, c'est que je peux tout mettre et tout me va, en fait. Moi, je préfère quand tu mets des maillots de foot. En fait, les quatre coiffures, c'est des tresses. J'ai dit dans ce vlog que même à mon mariage, j'aurai des tresses. Valouz? Allô? Sinon, vous les croutons, vous validez ou pas votre tenue préférée? Une, deux, trois ou quatre? Moi, c'est celle où t'étais en bleu. Ah ouais? Moi, ouais, c'est celle okay. Où t'étais en bleu aussi, je crois. En bleu, Michou bleu. Bouzy, quelle tenue préférée? La robe. La robe jaune? Ouais.
Bouzy, il est plus en mode playa. Playa, voilà. Playa, soleil, sun. Et moi, je dirais, bien, je pense que c'est ma préférée aussi. Dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi votre tenue préférée? Je vous ai montré un petit peu mes outfits des vacances. J'espère que vous avez kiffé. C'est la fin de ton outfit, ah ouais. Tiens. C'est les gars, claquettes. Les gars, mais elles sont vraiment confortables par contre. Hein. Je m'en achète. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Les garçons, enfin je dis les gars, mais il y aura peut-être plus trop de garçons sur cette vidéo. Les filles, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne fin de journée. Des gros bisous. Bisous. Ciao. Dernier mot de la fin. Bisous.